Salut à tous, c'est Mr. Freeze. Donc on se retrouve pour la suite de FF5. Là on va faire le tour un peu de la carte, enfin plus ou moins. On va pas aller jusqu'au bout. Non, faut savoir qu'on a déjà vu, je sais pas, je dirais un tiers de la carte à peu près. Mais bon, maintenant que vous savez qu'il y a un autre monde, je pense que vous l'aurez compris, il y a plusieurs cartes du monde, parce qu'il y a plusieurs mondes, du coup on ira dans le monde de Gabi après plus tard dans le jeu. Je pense que c'est pas vraiment du spoil de vous dire ça. Voilà, donc on est loin d'être un tiers du jeu, hein, même si on a fait un tiers du premier monde. Voilà, là, vous pouvez remarquer, ça c'est le premier village, là, tout à droite. Et ça, c'est le météore sur lequel on s'est téléporté. Là, on va commencer par les tout au nord-ouest. Pour aller à un village qui s'appelle History. Ça sert pas à grand chose, juste à récupérer quelques trucs. Voilà, c'est un. Je crois que c'est un village où il se passera pas grand chose au niveau de l'histoire principale. Ça fait trop mal, les mains ici. Peut-être changer la classe de Berth aussi. Mais vous savez quoi, on va le mettre. Okay. Voilà, ça sera plus pratique. Donc History, c'est par là. Je fais le tour par en haut parce que c'est plus simple. Voilà, quand je me fais attaquer, prendre par surprise comme ça, en général je m'enfuis parce que de toute façon on tourne déjà le dos à l'ennemi. Donc. Voilà. Putain, il y a beaucoup de combats. Hein. Mais ça va rien. J'espère que je fasse gaffe quand même. Ouh. Ouais, ça c'est bien. Voilà. On gagne des objets pas mal, on a gagné des Raijin. Ça fait des dégâts de foudre. C'est une compétence de ninja. Compétence en magie, blanche, tac tac. Voilà. Expresseur à la history. Voilà, history on le voit là, c'est le point jaune à gauche. C'est chiant, c'est que c'est aléatoire ce truc. Enfin, le swan, quoi. On dirait qu'il a un bon ennemi, quoi. Ouais, je m'en sers, il ressemble un peu à rien, par contre. Et là... Tiens, mais il y a des stances, c'est bien. Oh le con. On va arrêter les combats auto, je crois. Hein.
T'as cru, t'as attaqué. Voilà. Faire gaffe parce que les ennemis ici sont assez chauds. Voilà. On est arrivé. Ouais, il ressemble pas trop à un berger lui. Pas cher, pas cher. Voilà, là on va faire des trucs, je suis pas obligé de les faire tout de suite. Hein. Voilà. Ça, ça coûte ultra cher. Mais en fait ça protège, bah celui-là par exemple, on est insensible au feu, insensible à l'eau, celui-là insensible à vieillissement zombie. Celui insensible à l'eau il sera très très utile contre un des boss les plus forts du jeu, donc ce sera plus tard. Ah bah voilà. C'est vidéo détente hein, celle-là, il n'y aura pas d'avancée dans l'histoire. Alors là, il y a un petit secret, si on fait le tour comme ça, il me semble. Voilà. Un crapaud qui apparaît. Ça aurait été plus juste que ce soit un crapaud, mais... Voilà, et maintenant on a le sort crapaud, alors je sais pas si ça nous donne un objet... Si on apprend direct le sort. On apprend direct le sort, ouais. Donc ça peut soit guerre crapaud, si le... on a déjà un perso en crapaud. Soit... faut lancer le sort crapaud. Ah là, il est mouton. Justement, faut se mettre derrière. Un lambda qui lui fait un fist fucking, mais on va rien dire. Voilà, il nous a pris une compétence. Ça. C'est pas mal. C'est pour la classe Bard, mais je suis même pas sûr qu'on l'ait de. Qu'on l'ait la classe Bard. On l'a la classe Bard, non? Non, on l'a pas encore. Merde, j'ai oublié un truc, je crois. Ouais, non, non, c'est bon. Du coup... Ça, c'est bon. Ah, le magasin de sort. Non, on a déjà tout. Voilà. Donc voilà, ça sert juste à récupérer la chanson et le... Le sort crapaud. Maintenant, on va aller là. On fuit. En fait, on peut avoir une chance de combattre une invocation cachée ici. Surtout à ça que ça sert de venir. En fait. Qu'il apparaisse. Voilà, pas mieux. Merde, je viens de me rééquiter. C'est pas grave. Il est pas très fort, hein, de toute façon. Je sais pas comment on peut le silence. Voilà. S'emmerder. Voilà.
Il est empoisonné, ralenti, silence. Normalement il fait des sorts de foudre, mais là on a silence. Je crois qu'avec l'option c'est pas un sort mais une attaque normale en fait. Voilà. On obtient Jeramu. On utilise. Et maintenant, on a l'invocation Ramu. Donc, invocation de foudre. On va se re-soigner. On va se barrer d'ici. Voilà, pour vous donner une idée, on est tout au nord-ouest de la carte. Je sais pas s'il y a moyen de voir la carte du monde. Objet clé. Ouais. Non. Ah si, voilà. Ouais, voilà, on est tout en haut à gauche, là, vous voyez. Et maintenant, faut qu'on aille. Jackal, voilà, ici. Voilà. Et je vous déconseille d'aller tout en haut, là. À droite, parce que bah, sinon, on brûle. Pour aller à Jackal, on va passer par là. Ça, c'est chiant ce combat, putain. Hein. On va les fuir. Je sais pas si on y est déjà. Non, tiens, j'aurais pas dû passer par là. Quoique. Ce qui est bien, c'est que ça va quand même assez vite le navire. En avoir avec celui d'avant. Parce que ce que j'aime pas dans RPG, c'est quand on marche à deux à l'heure. Parfois on marche super vite, mais c'est quand même. Les distances sont pas parcourues plus rapidement, mais. Si on a la sensation que ça va plus vite, c'est quand même plus agréable, je trouve. Voilà. Et là, on peut aller à Jackal. Putain, des descendants des ronquins, j'y crois pas. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? On peut acheter des claques. Normal. Voilà, là, on a encore un piano. Ah, il s'améliore bien là. Alors si vous vous demandez, non, je suis pas en train de le faire. Parce que c'est à cause du fil du casque. Je vais m'enrouler, tu sais. Aussi derrière l'écran. Comment elle brise le quatrième mur. Alors, ouais. Ah ouais, il nous parle d'une grotte. Bah, vous allez voir, il y a une grotte pas loin.
on va aller hein, dans pas longtemps. Voilà, on va voir ce qu'on peut acheter. Je vais lui remettre une vraie classe. C'est vrai que je vais lui remettre paladin, hein, parce que c'est finalement c'est. Paladin, c'est trop bien. Est-ce qu'elle a toujours pas pris le truc que je mentionne? Ah si, mais pourquoi je m'emmerde hein. On va leur mettre une mage blanc. Parce qu'il vaut mieux qu'elle apprenne des trucs de mage blanc. Avec Gaïa comme ça. Ok. On va voir ce qu'il y a. Une baïonneuse. C'est bizarre que je puisse pas le mettre sur, sur les ninjas. Faire de spécial hein, ici. Voilà, on va s'arrêter un coup à la grotte. Bon, alors. Alors, il faut absolument se barrer. Vous dites c'est qu'un putain d'écureuil, mais non, non. Il est super chaud. Voilà, c'est petit secret, faut attendre. On va sauver le crânophage, faut se barrer. Hein. Non, j'ai pas eu le temps. C'est un peu n'importe quoi ce truc. Voilà. Ah, je sais pas s'ils sont forts. Bon, c'est super. Un peu les démonte. Ouh. Wow. C'est vraiment abusé des fois. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est la porte. J'aurais bien essayé de le battre quand même. Je peux voir combien je vais mettre. Okay. On va se barrer hein. Faudrait bien qu'elle fasse ses boulis. Parce que avec Cranophage, je sais pas exactement quel level il est, mais. Il est trop violent quoi. Je trouve que c'est vachement facile de s'enfuir dans ce FF. Tant mieux. J'avais compris pourquoi ça devait être compliqué de s'enfuir. Ouh, je l'ai tué. Trop bien. Il donne pas grand chose. Arrêt au fouet.
Et je crois que... Ah merde, fallait pas que j'aille là. Ouais, bah y'a rien. Bon bah voilà. C'est tout. Alors maintenant on va se barrer. Je me soignerai hors vidéo. Merde, comment se barre ici? Voilà. Ok. Bah, si, on va quand même aller à la suite du jeu. Donc, la suite du jeu, je vous montre. On va se barrer. C'est par là. On va fuir tous les combats. Hein. Ah, vous voyez, une espèce de deal en forme de croissant. Croissant au beurre d'ailleurs. Bah, ça, ça sera la suite du jeu. Je vous en dis pas plus. Je vous quitte ici. Et puis on se retrouve à la prochaine pour la suite de l'histoire. Salut!